Parce que nous avons un bureau comme ça. Mais nous avons un bureau comme ça. Mais nous avons un bureau. Mais nous avons un bureau souverain. Tu comme quoi souverain, mon massama. Hein? Je ne sais pas ce que je fais. Mais si tu veux que tu bois, tu vas te boire. Je ne sais pas si tu as un bureau. 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 Ok. Vous voyez comment ce que les Chinois là sont en train de tuer la population. Ça, on appelle ça les bouts de déchets toxiques, de pétrole brut, eau usée et autres. Donc, l'eau là, on leur demande de traiter ça, mais eux ils viennent prendre ça par ici. Et quand ça se remplit, ça vient par ici. Vous voyez le canal là, regardez tout ça là, c'est l'eau là, ça vient par ici, on déverse ça ici, ils font semblant de rembler par ce tuyau là, vous voyez, ça rentre par là, regardez comment ça se disperse ici, tout ça là c'est ça. Et en bas là-bas, vous voyez là-bas, il y a l'eau. Ça va aller tomber dans l'eau où les gens se lavent. Donc la population est en train de déclarer. Comme, regardez comment est-ce que la zone est devenue polluée. Ça descend comme ça. Jusqu'à l'eau. Et l'eau là, il y a les maniocs. Là où les mamans du village sont en train de prendre ces maniocs préparés et revendre à la population. Vous voyez comment est-ce que les Chinois sont en train de tuer la population? Les gens du village sont en train de déclarer qu'ils n'arrivent plus à se laver avec cette eau-là. Parce que, voilà, voilà, ça descend par ici. Et ça va en bas là-bas, et là-bas il y a l'eau. Il y a une rivière là-bas. Je vais vous emmener jusque là où ça part. Voilà, donc regardez là où l'eau là, ça vient tomber, c'est par ici que ça tombe. Regardez les pauvres mamans, ils font les maniocs et ils sont en train de gaspiller l'eau. Ces Chinois là, c'est la merde. Vraiment, ils sont en train de tuer la population ici. Regardez comment l'eau là, vous voyez la couleur de l'eau là, ça veut dire que c'est la couleur des eaux usées que vous avez vu, le bout de sable. Regardez comment l'eau est noire là, ça sort de là-bas. Donc quand ça ruisselle là-bas, ça vient jusqu'ici. C'est pas normal. C'est pas normal. Et regardez, les maniocs là, on en mange. La population mange le manioc là. Est-ce que c'est vraiment normal? C'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Regardez. Tout ça là, ce sont les maniocs. Mais là, je suis un souverain. Tu es comme souverain, mon massama. Hein? Mais si tu veux que je sois un souverain, mais il y a un truc qui est bon. Ok. Voilà. Comment est-ce qu'ils polluent la zone? Ils sont en train de gaspiller la zone avec cette eau-là. Voilà.
Voilà comment les Chinois sont en train de gaspiller. La population va souffrir ici. Ils tuent la population à petit feu. Regardez vous-même. Voilà. Ils sont en train de déverser ça, là où les gens vivent. Regardez. Regardez. À base d'un véhicule. Voilà. Vous voyez ça? Donc le noir que vous voyez là, vous voyez le noir là, c'est le produit. Tout ça là, le noir là, c'est le produit. Kérouchel, regardez comment l'eau est devenue. Hein? Très sale. Très très sale. Et tous ces maniocs là sortent de là-bas. Hein? C'est pas normal. Les gens boivent cette eau là. La population diminue. Mais c'est pas possible. Et dans ça, il y a du radioactif à l'intérieur de ces produits-là. Toxique en plus. Préparer les maniocs, les gens mangent, en revend, tout ça là. Mais quand même, vraiment, le gouvernement doit faire quelque chose. La population ne peut pas continuer à souffrir comme ça. Ces Chinois-là, ils se croient où vraiment? Hein? Regardez. Regardez comment est-ce que l'eau est noire. Vous voyez là? Les noirs qui sortent là, ce sont les produits là. Voilà. Voilà. Et ça a duré longtemps. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. La population est très malade. On tue la population à petit feu. Regardez. C'est déplorable, hein?